Les enjeux du retail pour moi en cette année 2023-2024, c'est vraiment la créativité. Le retail sait s'adapter, se transformer pour répondre aux exigences de plus en plus fortes des consommateurs. Il va y avoir une redistribution du mix média qui va privilégier probablement les médias complémentaires à la télé et bien entendu le digital. Le retail de demain, il sera responsable pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux que l'on connaît. Il faut, pour les retailers, savoir utiliser les bons leviers qui à la fois poussent l'information utile, mais aussi vont capter l'attention sur la durée. L'avenir du retail, il est florissant. Ce sera forcément un avenir de consommation plus responsable. En général, et notamment du retail alimentaire, ça devient de plus en plus une fonction d'accompagnement et de pouvoir donner aux consommateurs. Et par ailleurs, l'expérientiel, la capacité à proposer du service, du rêve, fait partie également de l'équation qui doit être proposée à toute une tranche de consommateurs qui sont les plus affluents. Le vrai luxe, c'est de donner le choix à chaque étape. La seconde main devrait prendre une part bien plus importante que ce qu'elle a aujourd'hui à l'avenir. Je pense qu'il va se passer par une réorchestration de l'expérience client. L'avenir du retail se porte essentiellement sur le digital et notamment en retail media parce que c'est là où la génération de données est la plus forte. On est là pour engager l'économie circulaire et la boucle circulaire. Et pour moi, c'est ça l'avenir dans le retail.